Eh bien, bonjour à tous. Bonjour, je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire, ce premier webinaire de l'année. Premier webinaire sur un sujet, un thème en plus qui me tient particulièrement à cœur, à savoir donc la gestion des transformations et plus particulièrement aujourd'hui donc la résistance au changement. Je vais commencer par me présenter très très rapidement dans les grandes lignes et ensuite vous expliquer comment nous allons passer cette demi-heure ensemble. Je m'appelle Eugène Bill. Je suis spécialisé dans les dimensions comportementales, du leadership, du management et des transformations, avec une expertise de plusieurs dizaines d'années qui s'appuie entre autres sur les neurosciences appliquées, c'est-à-dire la compréhension des mécanismes cérébraux, émotionnels, qui vont impacter de manière individuelle, de manière collective, les comportements et la performance. Et c'est en partie sous cet axe-là que nous allons explorer la logique des transformations pour vous donner des clés de compréhension sur notre sujet qui est la résistance au changement. Alors, j'ai la charge chez Coprime de l'entité Transformation qui regroupe nos services de talent management, de formation technique et outils, et de change management, c'est-à-dire l'offre d'accompagnement et de conduite des transformations. Et par ailleurs, je suis coach, conférencier et préparateur mental. Nous pourrons par la suite aller un petit peu plus loin dans la présentation si vous le voulez. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour le premier d'un cycle de trois webinaires. Nous avons voulu vous proposer trois webinaires autour du thème de l'accompagnement du changement, faire un focus vraiment sur la dimension humaine et comportementale et émotionnelle dans les transformations d'une manière générale et les projets de transformation. Alors, l'objectif pour notre premier webinaire aujourd'hui, la résistance au changement, c'est de comprendre tous les éléments qui vont générer la résistance pour avoir des pistes à la fois pour diagnostiquer, identifier et pouvoir intervenir efficacement tout au long d'un processus de changement, que ce soit dans le cadre d'un projet de changement, c'est-à-dire une implémentation ou un changement d'organisation, mais d'une manière générale dans un contexte que l'on sait être mouvant, changeant, qui amène à avoir une posture et une évolution comportementale constante. Nous avons une demi-heure. Je vais passer 20-25 minutes à vous présenter le sujet, à vous donner donc des clés, ces clés autour de la résistance au changement. Et à la fin de cela, donc, nous allons avoir 5-10 minutes pour pouvoir, où je vais pouvoir répondre à vos questions. Donc, ce que je vous propose, c'est de noter au fur et à mesure toutes les questions que vous avez. Vous pouvez utiliser le chat, les noter sur le chat, comme ça, donc, je les verrai à la fin et je pourrai y répondre. Et l'objectif, c'est que je puisse répondre à toutes les questions. Et s'il y a des questions un peu plus complexes ou un petit peu plus longues, eh bien, je répondrai par mail de manière individuelle, si c'est un sujet spécifique ou de manière collective. Donc, n'hésitez pas. Si au long de la présentation, donc je vous ai dit les questions à la fin, mais s'il y a une question ou un élément qui est vraiment bloquant et qui vous empêche de je dirais, vous concentrer sur la suite, eh bien, n'hésitez pas à le mettre par chat, à me faire un petit signe de la main ou à brancher votre micro et à poser les questions. Sinon, donc à la fin, on aura un espace pour cela. Donc, je vais avancer. Une demi-heure, cela passe rapidement. Nous allons avoir beaucoup de sujets à voir. Maintenant, l'idée, c'est de vous poser les grandes lignes. C'est le début d'un cycle de trois séminaires, de trois webinaires, pardon. Aujourd'hui, nous allons parler résistance au changement. Le mois prochain, nous allons parler du management et comment le management doit se positionner ou se positionne, avoir quelques clés de positionnement du management dans un contexte de transformation, que ce soit un projet ou d'une manière générale. Et le mois suivant, le troisième webinaire va traiter d'un processus et des clés dans un projet de changement, donc les clés importantes, les points importants à mettre en œuvre lorsque l'on est dans un projet de transformation.
Alors, rentrons dans le vif du sujet. Voilà. De temps en temps, je prendrai ma tête sur le côté, j'ai un autre écran donc, où je vois ma présentation. La résistance au changement. Déjà, quelques éléments pour bien comprendre ce que l'on met derrière cette notion de résistance au changement. Alors, vous voyez la petite définition de Michel Crozier. Cette définition, je la trouve intéressante car elle fait apparaître des éléments, elle fait apparaître la notion de risque, elle fait apparaître la notion d'expression raisonnable et légitime. Ce qu'il faut bien avoir en tête, premier élément qu'il faut avoir en tête, c'est que derrière la notion de résistance au changement, eh bien, il y a des réactions comportementales, émotionnelles, cognitives, qui sont liées à la notion de risque, qui sont liées à la notion de perte, qui peuvent être liées à la notion de danger, et qui sont, je dirais, une réalité pour la personne. C'est un premier élément qu'il faut avoir en tête, c'est la résistance au changement. Nous allons voir que c'est un processus qui est normal et qui est un processus qui est une vraie réalité pour la personne et nous sommes inégaux par rapport à cette perception. Donc en tant que manager, en tant que personne devant accompagner le changement, en tant que personne devant vivre le changement, il faut bien avoir en tête aussi cette notion que bien, lorsque vous avez en face de vous des personnes qui sont dans une logique de résistance au changement, eh bien, il y a quelque chose d'émotionnel et quelque chose réel d'émotionnel qui se vit. Nous sommes dans un contexte où les changements se multiplient, les déploiements s'accélèrent. La transformation maintenant dans les organisations actuelles est une norme. Et donc la prise en compte du facteur humain, qui est notre sujet là, devient une évidence parce que les conséquences de l'absence du traitement, des traitements des aspects humains, eh bien, conduisent très souvent aux échecs. Ou en tout cas à de grosses complications pour atteindre les objectifs. Je suis au webinaire là. Ah, alors, si vous pouvez, s'il vous plaît, couper vos micros, voilà, le temps de ma présentation, simplement les brancher lorsque vous aviez des questions. Merci. Donc, prendre en compte le facteur humain, un élément important dans la logique des transformations, dans la logique des changements. Il y a différentes études, peut-être que vous avez vu passer, qui ont essayé d'évaluer le pourcentage de changements qui n'atteignent pas les objectifs en raison du facteur humain. Alors, il y a différents chiffres qui apparaissent, mais en tout cas, nous savons que que l'impact est entre. Allez, je vais donner une grande fourchette, 30 et 70 %. Il y a entre 30 et 70 %. Je donne la fourchette large exprès parce que les études divergent, mais entre 30 et 70 % des changements, des projets de changement qui n'atteignent pas leurs objectifs, qui échouent à cause du facteur humain. Donc, même si la fourchette est large, ne serait-ce que déjà 30%, c'est quand même un chiffre qui n'est pas négligeable. Donc la notion du contexte humain, la notion du facteur humain, pardon, est un élément qui va être très important dans la logique de la conduite du changement. Donc quelques mots pour comprendre la résistance au changement et comprendre pourquoi il y a résistance au changement. Déjà, un premier élément que l'on a bien tous en tête, c'est que nous ne sommes pas tous égaux par rapport à la façon dont nous allons gérer le changement. Nous avons tous dans notre entourage des personnes, ou peut-être nous-mêmes, qui sont réceptives au changement, qui aiment les challenges, qui sont galvanisées par tout ce qui est nouveauté, et à contrario, d'autres personnes qui vont rapidement être dans une logique d'angoisse ou de rébellion par rapport à un changement, par rapport à une transformation. Donc, nous sommes différents à ce niveau-là, et c'est ce qui rend la chose complexe, parce que nous ne pouvons pas calquer une approche standard et unique dans la logique de l'accompagnement du changement, parce que l'accompagnement du changement, enfin la notion de changement, est d'abord une notion de représentation personnelle.
C'est d'abord une représentation personnelle, puisque le changement, nous allons pouvoir l'aborder de deux manières. Nous allons pouvoir l'appréhender de deux manières. Soit le changement va être identifié comme une opportunité, soit le changement va être identifié comme une menace. Et ça, pourquoi? Déjà parce que on peut dire que dans notre fonctionnement, dans le fonctionnement de l'être humain, nous allons fonctionner, notre fonctionnement va être basé sous, on peut dire, deux circuits. On va dire le circuit du plaisir et le circuit de la menace. Ou l'on peut dire autrement que l'être humain va fonctionner sous les deux polarités, polarités qui sont plaisir-douleur. Aller vers le plaisir, éviter la douleur. C'est notre fonctionnement de base. Donc, soit le changement est vu comme une opportunité, soit comme une menace, et cela, ça dépend de quoi? Cela dépend, eh bien, de facteurs individuels, d'où la notion de différence par rapport à la représentation du changement. Donc, quand on parle de facteurs individuels, eh bien, pour faire simple, on peut parler de tempérament ou de personnalité ou de préférence comportementale. Cela va être impacté aussi par la nature du changement, du changement plus ou moins important. Lorsque l'on analyse le changement, on parlera est-ce que c'est de changement de niveau 1, changement de niveau 2, est-ce que c'est une adaptation, une évolution du même système, ou est-ce que le système en lui-même évolue, et impacté aussi par la manière dont le changement va être mis en œuvre. Et lorsque le changement est vu sous une forme d'opportunité, des émotions de type désir vont être générées, et l'émotion de désir, ces émotions, ce sont des émotions, des énergies d'action, des énergies qui vont aller vers l'expérimentation, la mise en œuvre, vers le mouvement. A contrario, lorsque donc le changement est vu comme une menace, eh bien, ce sont des énergies de type peur, ou en tout cas des déclinaisons de la peur qui vont être générées et qui vont donner donc des énergies qui sont des énergies de fuite, de sidération, de blocage ou alors d'attaque. Donc on voit très bien que ça nous donne déjà des premiers éléments qui sont lorsque l'on veut avoir à gérer les transformations, lorsque l'on veut réfléchir à la notion de résistance. Eh bien, on a au moins déjà ces trois éléments à prendre en compte. Je dois prendre en compte les facteurs individuels. Donc, je dois prendre en compte tout ce qui concerne les différentes personnalités, les différentes préférences comportementales que j'ai dans le groupe. Je dois prendre en compte la nature du changement et donc analyser la nature du changement et mettre en œuvre les actions en fonction d'eux. Et je dois faire attention à la manière dont je mets en œuvre le changement. Parce qu'on voit que l'enjeu, eh bien, l'enjeu, il est très simple. On peut le formuler en disant, c'est limiter, inhiber, eh bien, donc tout le circuit de la menace pour aller activer le circuit du plaisir qui va faire apparaître le changement, les changements comme une opportunité. Les sources de résistance. Pour comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière. Donc, les sources de résistance, pourquoi il y a résistance au changement, ne serait-ce qu'au niveau général et psychologique, vont s'appuyer sur plusieurs facteurs. Il va d'abord y avoir les facteurs individuels. Donc, les facteurs individuels, ça va être toutes les logiques d'appréhension de l'inconnu que l'on va rencontrer. Ça va être la crainte de ne pas être à la hauteur. Ça va être eh bien la perception que mon intérêt personnel n'est pas respecté, n'est pas couvert au détriment de l'intérêt collectif. Ça va être tous ces facteurs qui vont faire que je vais me couper, que je vais me recentrer sur mon intérêt, ce qui est important pour moi, et mes propres besoins. Nous y reviendrons bien sûr dans la présentation. Ensuite, nous avons aussi donc les facteurs collectifs et organisationnels. Les facteurs collectifs et organisationnels, pardon, c'est au-delà de la construction mentale individuelle, c'est tout ce qui va être lié à mon organisation et à mon interaction avec les autres et avec la structure de l'entreprise. Donc, ça va être eh bien, donc, tout ce qui va être lié à la peur de changer en termes de mode de fonctionnement, changer de management,
tout ce qui va être lié à la peur de perdre ses acquis sociaux, à l'inquiétude de voir la cohésion d'un groupe touché, à l'inquiétude de devoir changer d'interlocuteur, changer d'interaction, changer de logique de collaboration, de coopération, etc., etc. Donc tout ce qui va être lié à mes interactions avec mon environnement, les interactions avec les autres membres de l'équipe, avec mes pairs, avec mon manager, etc. Troisième source de résistance, tous les facteurs qui vont être liés aux acteurs du changement. Alors, que les acteurs soient la direction de l'entreprise, le manager, un autre collaborateur, un consultant, eh bien, l'acteur qui va initier, qui va conduire le changement, lui-même peut être quelquefois donc un motif de résistance. C'est-à-dire que lorsque le changement, par exemple, est perçu comme une querelle de pouvoir, un jeu de pouvoir, lorsque la légitimité des acteurs sont remises en cause, acteurs trop jeunes, incompétents ou pas forcément pas assez imprégnés de l'ADN de l'entreprise, eh bien donc ce sont des éléments qui peuvent être motifs de résistance. Ah, j'avais pas fait, excusez-moi, j'avais pas fait le changement de slide. Donc facteurs donc liés aux agents du changement. Donc, facteurs individuels, facteurs collectifs et organisationnels, facteurs liés aux agents, aux acteurs du changement, et troisième, quatrième, pardon, source de résistance, eh bien, le changement en lui-même. C'est-à-dire, souvent, surtout la manière dont le changement a été emmené, donc l'origine du changement, un changement qui peut être perçu comme une perte de temps, une perte d'énergie, une perte de coût, un changement qui peut être perçu comme un décalage avec des valeurs ou les principes de base de l'entreprise, etc., etc. Donc, d'une manière, je dirais, donc générale, synthétique, eh bien, nous avons ici quatre sources de résistance individuelle, collective, organisationnelle, liées au changement, liés aux acteurs du changement et liés au changement en lui-même. Donc, les formes de résistance que vous allez rencontrer par rapport à la notion de résistance au changement, de manière synthétique, de la même manière, on peut parler de quatre formes de résistance. L'inertie. Donc, l'inertie, on va dire que ça va être le collaborateur qui va être réticent, qui va laisser croire qu'il y a une adhésion au changement, mais qui en réalité ne va rien faire de concret, qui va attendre que ça se passe, qui va procrastiner, qui va se désintéresser du sujet. Il y a donc l'argumentation. L'argumentation, donc là, c'est une réaction visible de la résistance, donc avec des négociations, des critiques, des plaintes constantes. Chaque sujet va être un sujet qui va être lié au débat. Il y a donc la révolte. La révolte, eh bien, donc on sera face à des actions concrètes. Et là, on est dans la forme la plus directe de la résistance, donc des opérations, des menaces de démission, des blocages, voire des grèves, dans tous ces éléments-là. Et puis, la dernière partie, on va dire, donc le sabotage. Donc, c'est de la même manière que l'inertie, c'est qu'il n'y a pas d'action vraiment visible, il y a même une a priori approbation du changement, mais en parallèle, il y a, je dirais, en sous-marin, un sabotage du projet. Donc, dénigrement derrière, fausses informations ou alliance avec des opposants, etc., etc. Donc, très rapidement, puisque voilà, nous avons peu de temps, mais pour vous donner un premier panel, là, nous avons déjà sur ce slide-là des éléments un peu généraux sur qu'est-ce que la résistance au changement et quelques pistes, quelques clés, quelques axes pour pouvoir ensuite aller investiguer, déjà analyser et investiguer et avancer lorsque l'on est face à une mise en œuvre ou une préparation d'une logique de changement. Pour donner
quelques repères sur toujours la compréhension, qui est l'objet de mon webinaire aujourd'hui, donc comprendre qu'est-ce qui se passe derrière. On voit bien que, on perçoit bien que le changement n'est pas un aspect purement comportemental. La résistance au changement n'est pas un élément purement comportemental. Derrière, il va y avoir des éléments qui sont de l'ordre émotionnel, des éléments qui sont de l'ordre cognitif, des éléments qui sont de l'ordre psychologique. Lorsque l'on est face à une logique de changement, si je prends un changement bien identifié, j'installe donc une nouvelle application, je change au niveau organisationnel, je change. Donc, je vais passer d'un point A à un point B. L'on sait bien que la route pour pouvoir aller de A à B ne va pas être une route linéaire dans le temps. Il va y avoir un cycle. L'on peut présenter de différentes manières. La façon la plus commune de représenter ce cycle, que je pense vous connaissez, en tout cas beaucoup d'entre vous connaissent, qui va être donc le cycle, ce qu'on appelle la courbe du deuil. La courbe du deuil, c'est une approche qui a été développée, mise en œuvre, enfin mise en évidence par une psychologue, Elisabeth Kübler-Ross, qui faisait une infirmière, pardon, qui faisait de l'accompagnement dans les soins palliatifs, accompagnement au mourant, et qui a identifié que dans un processus de deuil, eh bien, il y avait différentes étapes et que l'étape était tout le temps les mêmes, avec une étape de déconstruction avant qu'il n'y ait une partie de reconstruction. Et les études ont montré que cette approche, avec quelques adaptations, peut s'appliquer, va s'appliquer à tout changement que nous allons rencontrer. Tout changement est une forme de deuil, c'est-à-dire une perte, et avec pour pouvoir acquérir quelque chose de nouveau. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors par la suite, si vous aviez des questions, ou si vous avez des questions, on pourra rentrer. Mais je vais pas rentrer dans le détail des différentes étapes. Simplement, l'on voit que dans ces étapes, dans ce circuit psychologique, et puis il y a une phase descendante. Une phase descendante dans laquelle les personnes vont être orientées vers le passé, c'est-à-dire orientées sur la perte. Qu'est-ce que je perds? Qu'est-ce que je faisais et que je ne peux plus faire? Et ensuite, une phase ascendante, après qu'il y ait ce déclic, un choix, ce déclic, cette prise de conscience, où là, on va pouvoir commencer à passer par une orientation vers le futur. Avec plus qu'est-ce que je perds, mais qu'est-ce que je gagne, ou en tout cas, quels sont les nouveaux éléments de mon environnement ou de mes actions. Le point à avoir en tête par rapport à cela, c'est que ce cycle, c'est un cycle qui va être naturel, c'est un cycle qui va être normal, c'est un cycle qui va être, je dirais, donc systématique, mais qui va être plus ou moins rapide. Plus ou moins rapide. Mais vous allez toujours avoir ce passage dans ce cycle et la particularité, en tout cas ce qui va rendre la chose un peu complexe, bien évidemment, c'est que eh bien, tout le monde ne va pas suivre le cycle avec la même vitesse, tout le monde ne va pas passer d'une étape à une autre avec la même fluidité. Il va y avoir des personnes qui vont rester à certaines étapes, il va y avoir même certaines fois des retours arrière, des boucles, avant de passer dans la phase d'expérimentation et d'intégration. Donc, lorsque nous parlerons du management, nous verrons que donc le management, l'accompagnement, va avoir des postures et des actions qui vont être différentes en fonction de d'où se trouvent les personnes, d'où se trouve le groupe dans ce cycle. Puisque toute la partie résistance, eh bien, toute la partie résistance se focalise, se retrouvera dans la phase descendante, pour faire très simple. Donc, c'est dans cette phase-là où nous allons avoir à gérer ou nous-mêmes à vivre eh bien, des cycles qui vont être des cycles de colère, des cycles de tristesse, des cycles donc de marchandage, et les besoins qui vont être derrière vont être des besoins qui vont être différents. Donc, si je résume, première chose à avoir en tête, un, les étapes, la résistance au changement est quelque chose de normal et naturel. Donc ça, c'est un premier point. C'est un cycle, il y a une logique psychologique et il faut suivre et accepter cette logique psychologique lorsqu'on est dans une logique de résistance au changement.
Quelques mots sur l'aspect neurosciences, ce que nous ont appris les neurosciences au niveau de la résistance au changement. Pour faire très simple et rapide, parce que je vois le temps qui passe, le sujet est tellement vaste, un changement, c'est quoi? Un changement, ça va être sortir d'une habitude pour pouvoir créer et rentrer dans une autre habitude, un autre fonctionnement. Au niveau cognitif, au niveau mental, qu'est-ce que c'est qu'une habitude? Une habitude, c'est ce qu'on va appeler un chemin neuronal. Donc, je vais faire très très simple, je simplifie énormément. Hein, si vous connaissez, vous allez voir que je fais des gros raccourcis. Mais donc, c'est ce qu'on appelle un chemin neuronal. Pour pouvoir comprendre, vous imaginez que vous êtes devant, souvent l'image que l'on prend, vous êtes devant un champ avec des grandes herbes, et vous devez traverser régulièrement ce champ. Vous allez traverser régulièrement ce champ, vous allez passer donc en règle générale au même endroit, et à force de passer, eh bien, vous allez créer un petit chemin qui va être de plus en plus marqué et que vous allez prendre naturellement pour pouvoir traverser ce champ tous les jours où vous devez traverser le champ. Vous ne vous posez pas de questions, vous avez ce chemin, vous prenez ce chemin. Et plus vous avancez, plus vous passez, plus ce chemin va être marqué. Eh bien, c'est ce qu'on appelle, c'est la même chose qui se passe au niveau du cerveau, et c'est ce qu'on appelle donc un chemin neuronal. Une habitude, c'est créer des chemins neuronaux. Et plus on va passer, plus on va ancrer une habitude, eh bien, plus ce chemin va être important. Et on parle même des fois d'autoroutes neuronales, qui sont donc des chemins que l'on va prendre de manière quasi automatique, enfin complètement automatique, sans même s'en rendre compte. Et donc, on voit bien qu'un changement, c'est quoi? C'est à un certain moment, on va me demander de prendre un autre chemin. C'est-à-dire qu'on va me demander, eh bien, de ne pas prendre le bon chemin qui est tracé, mais de me frayer un autre chemin dans les herbes à côté pour pouvoir créer un autre petit chemin. Avec, ben, vous voyez, tout l'effort que ça implique. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, et je vais m'arrêter là dans les explications sur cette notion, c'est que on ne va pas, au niveau neuronal, pouvoir supprimer une habitude, supprimer un chemin neuronal. Supprimer un chemin neuronal, ça n'existe pas. Qu'est-ce que l'on fait? C'est-à-dire qu'on va créer un nouveau chemin neuronal, on va créer donc une nouvelle route, et c'est à force de prendre cette nouvelle route et de ne plus prendre l'ancienne que l'habitude va un petit peu s'effacer, que des herbes vont commencer à repousser sur le chemin précédent. Mais l'habitude va être toujours là. C'est pour ça que on verra que c'est la répétition qui va créer le fait d'en créer une nouvelle habitude. Donc, ça, c'est notre cerveau. Ça, c'est le fonctionnement cognitif par rapport aux habitudes et par rapport au changement. De manière très simplifiée, dites-vous bien, pour bien comprendre, que nous avons deux modes de fonctionnement au niveau du cerveau. Lorsque nous arrivons face à une situation, eh bien, il y a une analyse rapide de la situation. Est-ce que c'est une situation qui est maîtrisée, qui est simple, qui est connue? Et si c'est le cas, eh bien, à ce moment-là, le cerveau va basculer dans ce qu'on appellera le mode motal automatique. C'est-à-dire que là, il va emprunter tous les chemins qu'il connaît. Il va exploiter complètement ses acquis. Ce mode automatique, c'est le mode qui va demander le moins d'énergie au cerveau. Et donc, c'est le mode que le cerveau va de toutes les façons privilégier. Alors que lorsque la situation est non maîtrisée, lorsque c'est nouveau, lorsque c'est un changement, eh bien, donc là, à ce moment, il va aller activer un autre mode mental, qu'on appelle le mode mental adaptatif, où là, qui est un mode qui va être beaucoup plus énergivore, qui va lui demander beaucoup plus d'efforts. C'est comme aller dans ce champ avec ses nouvelles herbes. Mais c'est ce mode-là qui va être nécessaire pour l'adaptation, et c'est ce mode-là qui va lui permettre d'évoluer. Et c'est là où on va parler au niveau du cerveau, de la notion de plasticité neuronale, c'est-à-dire la capacité du cerveau, justement, tout au long de notre vie, à nous recréer, à nous adapter. Donc, et en fonction de ce chemin, ben donc il va y avoir un passage à l'action. Donc, ce que je vais vous faire comprendre rapidement, là, c'est que le cerveau est câblé, nous sommes câblés pour le changement. Donc, vous voyez, donc on a ce paradoxe qui est le changement, la résistance au changement est normale, elle est nécessaire, parce que tout l'être humain
et organisée autour de ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire cette capacité à rester en équilibre. Et d'un autre côté, et c'est pour ça que nous sommes là, l'être humain est câblé pour pouvoir s'adapter. Mais c'est quelque chose qui va demander de l'effort. Donc, alors, vous allez me dire, mais pourquoi, donc, du coup, il y a résistance? Parce qu'on est câblé? Eh bien, tout simplement, comme je dis, parce que passer en mode mental adaptatif, c'est quelque chose qui demande de l'effort et c'est quelque chose qui amène et qui oblige à passer au-delà de blocage ou en tout cas, donc, de tout l'aspect émotionnel, de toutes les peurs. Parce que lorsque la peur monte, lorsque l'aspect émotionnel monte, eh bien, donc, la partie adaptative va être chantée et il va y avoir eh bien, tous les blocages, tous les phénomènes de protection pour se réfugier dans son mode auto, dans son mode automatique et pour rester accroché donc à nos certitudes, à nos savoir-faire, donc à nos acquis. Je vous ai parlé de mode de menace ou donc de comment dirais-je? De la partie plaisir ou la partie douleur. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans ces deux circuits-là, la partie douleur, la partie menace, va être la partie qui va prédominer dans le doute. Donc, d'une manière générale, si jamais il y a une incertitude, s'il y a un flou, s'il y a quelque chose qui potentiellement peut être un danger, eh bien, d'une manière générale, le cerveau va se mettre en mode protection, va activer son cerveau, sa notion de menace et va se réfugier dans son mode mental automatique avec tous les travers que ça peut avoir. Donc, c'est très synthétique, hein, bien sûr, ce que je vous présente là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que donc ce mode mental automatique, et je finirai sur ce slide-là, pour ce slide-là, c'est ce qu'on appellera notre zone de confort. Et là, je vous demande de noter bien une chose dans un coin, c'est que la zone de confort n'est pas la zone où on est forcément confortable. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête aussi. La zone de confort n'est pas forcément la zone dans laquelle on est confortable. La zone de confort, souvent on dit sortir de sa zone de confort, la zone de confort, c'est la zone où l'on a nos habitudes, où on a nos repères. Donc, ce n'est pas parce que vous savez qu'un changement, une évolution va amener par la suite du mieux que ça va être forcément perçu comme ça par les personnes derrière. Donc ça, on y reviendra au fur et à mesure par la suite, mais c'est un point qu'il ne faut pas négliger. La zone de confort n'est pas forcément la zone dans laquelle on est confortable, c'est la zone dans laquelle on a nos habitudes, on a nos repères. Alors une fois que l'on a dit ça, quelques éléments quand même pour allier, vaincre cette notion de résistance au changement. Il y a différents outils, différentes méthodes de conduite du changement. Sans doute, vous connaissez peut-être le modèle de type Lewin ou Kotter ou la matrice sociodynamique, enfin d'autres outils. Alors, toutes ces approches sont importantes, intéressantes et structurent, donnent une base. Donc, nous utilisons dans nos interventions aussi donc, tous ces outils-là comme base. Mais l'expérience et les études montrent que ça ne suffit pas. Il y a différentes raisons qui font que nous devons maintenant aller au-delà, aller un peu plus loin que ces outils. Dans les différentes raisons, je vais citer deux raisons principales. Premièrement, comme on a dit dès le début, nous sommes dans un environnement qui est changeant, un environnement que l'on appelle maintenant VUCA, VICA en français, hein, donc, c'est-à-dire un environnement de changement, de transformation constante. Un environnement qui oblige à repenser les organisations, à repenser le management et à enrichir toutes les méthodes classiques. Et deuxièmement, on a vu que le changement était une problématique humaine qui doit être prise en compte dans toute sa complexité. La conduite de changement ne se limite pas juste à la mise en œuvre d'un plan de communication et de formation.
un plan de communication et de formation. Parce que si vous mettez juste ça en place, c'est juste la partie rationnelle qui est sollicitée. Donc, on a vu que le changement, derrière le changement, il y avait une autre, donc une partie émotionnelle derrière. Donc, réfléchir à la gestion des résistances, ça commence par placer l'humain au centre de la transformation et s'appuyer sur les soft skills qui sont vraiment donc les véritables leviers individuels et collectifs des transformations. Donc, quatre axes de travail. Lorsqu'on travaille sur les soft skills, je vous ai mis juste une petite définition, mais les quatre axes, c'est quoi? C'est travailler sur les processus cognitifs, c'est-à-dire tout ce qui va être la logique de pensée, donc la capacité à diverger, converger, tout ce qui va être lié donc à la flexibilité mentale. Ça va être donc ce qu'on appelle les processus conatifs, c'est tout ce qui va être lié à la motivation, à l'ouverture, tout ce qui permet le passage à l'action. Travailler sur les processus émotionnels, la gestion du stress, les notions d'empathie, tout ce qui va être lié à la gestion de l'incertitude. Et travailler sur les processus relationnels, c'est-à-dire tout ce qui va être lié donc à la manière dont va se passer la communication, les communications donc à l'intérieur de la structure, les communications entre les personnes, les communications collectives, comment tout ce qui va aller amener la collaboration, la coopération. Donc concrètement par rapport à ça, puisque donc là il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'est pour vous donner quelques pistes. Si on concrétise un petit peu avec quelques points clés qui sont importants lorsque l'on veut penser transformation et lorsque l'on veut penser résistance au changement. Déjà, c'est prendre en compte le fait que la résistance au changement n'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça, c'est la première chose que je vais vous rappeler. Donc, la résistance au changement n'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est-à-dire que la résistance au changement est un processus normal et qui peut permettre de mettre en évidence des points importants dans les actions, dans les domaines qui ont été mis en œuvre dans la transformation. Première piste, gérer les résistances, c'est anticiper. Donc, c'est anticiper. Anticiper, c'est-à-dire que le changement, la logique des transformations, alors ne serait-ce que dans un projet de transformation, ce n'est pas à la fin, ce n'est pas au dernier moment, enfin vers le moment où l'on va rentrer dans la fin des tests et la mise en œuvre, que l'on va penser changement, que l'on va penser accompagnement du changement. Accompagnement du changement, c'est quelque chose qui se passe bien en amont, bien au démarrage du projet. Et je dirais même que l'accompagnement du changement, c'est aussi gérer les résistances, c'est aussi en tant que manager, en tant que dirigeant, en tant que responsable, c'est réfléchir à comment je peux préparer, renforcer, entraîner la capacité de changement de mon équipe. C'est pour ça que derrière, donc, il y a des logiques de diagnostic de maturité et de transformation qui permettent d'identifier eh bien les axes dans lesquels on doit investiguer pour développer la logique agile, on va dire, de l'équipe au sens capacité à s'adapter et à gérer les transformations. Donc, anticipation. Deuxième point, donner du sens. L'être humain a besoin de comprendre, il a besoin d'avoir un pourquoi et un pourquoi. De temps. On peut ne pas être d'accord avec un changement, avec une transformation, mais le pire, c'est de ne pas comprendre le sens qu'il y a derrière. Donc, le deuxième point important pour gérer les résistances, c'est donner du sens. Ça doit être votre fil rouge tout au long de vos actions. Toujours ramener au pourquoi, ramener au pourquoi en deux temps. Troisième point, c'est d'aller chercher la motivation intrinsèque. Vous savez qu'en termes de motivation, on va parler de motivation intrinsèque, c'est-à-dire ce qui vient de l'intérieur, ce qui va aller répondre à des besoins, à des valeurs, et motivation extrinsèque, ce qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire ça peut être les salaires, les primes, les avantages, etc. Donc les deux sont importants. Et ce qui va être important, ce qui va être une clé de base, c'est d'aller chercher la motivation intrinsèque, d'aller chercher donc les éléments intérieurs qui vont faire que les personnes vont rentrer
dans le changement. On dit souvent que la motivation et le changement sont des éléments, sont des portes qui ne s'ouvrent que de l'intérieur. Donc, comment on va faire ça? Eh bien, ça va être bien focus sur l'intérêt. Donc, quel est l'intérêt? Mettre en évidence quel est l'intérêt des personnes pour changer. Dans sa réflexion, c'est se poser la question, quel est leur intérêt de changer? Quel est leur intérêt de ne pas changer? Pour pouvoir identifier les actions qu'il y a à mettre en œuvre. C'est de prendre en compte, deuxième point, c'est de prendre en compte les différents leviers de motivation. C'est de s'appuyer sur les préférences comportementales, les logiques de personnalité. Il y a différentes approches que l'on utilise, comme le DISC, le MBTI, la Process Com, enfin, donc s'appuyer sur ça. Et c'est d'impliquer au plus tôt les personnes. Plus personne doit être impliquée, eh bien, plus nous allons avoir des chances pour qu'il y ait derrière donc des éléments de motivation interne. Donc, ça va être tout ce qui va être donc les ateliers, les échanges pour lesquels vous allez pouvoir impliquer des personnes. Deux autres points, il nous reste deux autres points. Je sais que j'ai bien débordé, mais il nous reste deux autres points importants. Un point qui n'est pas anodin, je le mets parce que ce n'est pas neutre, on n'y pense pas, c'est de faire prendre conscience de ce qui ne change pas. Il faut savoir que le cerveau, le fonctionnement de l'être humain, fait qu'il va se focusser, pour le dire comme ça, sur ce qui bouge. Ce qui ne bouge pas, ce qui ne change pas, à la limite, il ne le voit pas. Parce que donc, ce n'est pas forcément source de problème ou de menace. Donc, pourquoi je mets ça? Ça veut dire que dans la logique d'accompagnement, il faut aussi eh ben, pas hésiter à rappeler les éléments qui ne bougent pas, à rappeler les éléments sur lesquels on va pouvoir s'appuyer, parce que dans la logique de la résistance, on peut être simplement focalisé sur ce qui bouge et ne pas prendre en compte et ne pas voir les éléments, les repères qui restent ou les choses sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Et la transformation va être plus efficace à partir du moment où elle va se greffer sur des éléments stables ou des éléments qui existent. Et pour terminer, dans les premières pistes sur la résistance, le passage à l'action, passer à l'action rapidement, pour passer de la compréhension de l'aspect purement mental à l'aspect ressenti, à l'expérimentation. Donc c'est la stratégie des petits pas, des petites actions pour sortir en douceur de la zone de confort et pas aller trop loin et pas aller dans ce qu'on appellera donc la zone de panique. C'est la répétition, la répétition, la répétition, pas oublier, c'est la répétition qui amène l'acquisition, c'est la répétition qui crée donc les nouvelles habitudes et c'est la récompense. On parlera aussi par la suite, à un autre moment, du circuit de la récompense. Eh bien, puisque toujours dans cette logique plaisir-douleur, eh bien, pour entrer, on va aller associer aux petits pas, aux petites actions, des notions de plaisir. Donc, c'est tout ce qui va être célébré, donc les quick wins. Donc voilà, je terminerai sur ce petit marathon de pistes. Donc là, sur simplement en synthèse, et il y a trois grandes pistes pour pouvoir gérer les résistances au changement. Ça va être prévenir ces résistances, c'est anticiper, c'est développer une culture agile au sens capacité à s'adapter et vivre les transformations. C'est gérer de manière proactive les résistances, donc c'est-à-dire dans les projets de transformation. Donc la phase principale importante, ça va être la phase de diagnostic, la phase d'étude d'impact, la phase en amont qui va identifier ben, quelles sont les actions sur lesquelles on va devoir mettre en place des actions d'accompagnement. Et c'est gérer, donc c'est la gestion réactive des résistances. La résistance, on a vu que c'était un processus qui était normal, qui était même nécessaire. Eh bien, c'est avoir les bons réflexes, les bons outils pour pouvoir donc gérer ces différentes résistances. Donc, voilà, je fais un petit sprint à la fin. Donc les différentes choses que je voulais présenter, partager avec vous sur notre premier sujet qui est la résistance au changement. Alors maintenant, je vais vous écouter, je vais regarder le chat. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions concernant ce que j'ai présenté rapidement? Des questions, des remarques, des commentaires? Je vous écoute.
où je vous ai hypnotisé, saoulé, vous avez faim, vous avez... Pas de questions? Rien? Pas de remarques? En tout cas, vous allez avoir le webinaire, l'enregistrement, donc le replay, voilà, je cherchais le mot. Vous recevrez le replay, comme ça vous allez pouvoir revoir tout cela, donc à tête reposée, on va dire. Nous avons nos deux rendez-vous à venir, donc le mois prochain pour parler management et le mois suivant pour parler démarche de transformation, donc les étapes d'une démarche de transformation. Si entre-temps vous avez des questions, des remarques, des choses qui arrivent à froid, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous envoyer donc des questions. Et à ce moment-là, donc, je me ferai un plaisir de répondre à vos différentes questions, à vos différentes remarques. Et si vous avez aussi des remarques, des suggestions par rapport au format ou par rapport aux choses que nous allons aborder donc mois prochain et mois suivant, n'hésitez pas aussi à nous en faire part. Auriez-vous de la littérature à nous conseiller? Écoutez, j'ai différents ouvrages, je vais le noter, et donc associé donc à ça, je vais vous peut-être vous mettre une petite bibliographie. Voilà, quelques ouvrages, j'en ai un ou deux en particulier en tête, quelques ouvrages que je vais vous conseiller, enfin vous suggérer pour pouvoir aller un petit peu plus loin sur cela. Bien, mais écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite un bon déjeuner. Ça va être l'heure du déjeuner. Une bonne fin de journée. Une bonne suite de semaine. Et à la prochaine fois. Et je vous dis à nouveau, n'hésitez pas, si vous avez des questions qui reviennent par la suite, à nous les poser. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.